tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, et aussi dans le cadre de la poursuite des cours à distance, on va voir une leçon d'orthographe intitulée Les lettres finales muettes. Donc, observez attentivement ces mots. On a un pot, le son, quand, le riz, trop, gris. Un marchand, jamais. Comme vous voyez, dans chacun de ces mots-là, la dernière lettre n'est pas prononcée. On dit elle est muette. D'accord? C'est quoi les lettres muettes? Ce sont les lettres que l'on ne prononce pas. Exemple, un bon, généreux, un ni. Pour trouver les lettres finales muettes, on peut mettre le mot au féminin. Exemple, géant, géante. Ou chercher des mots de la même famille. Bord, aborder, débordement. Dans la plupart des cas, il faut connaître l'orthographe par cœur. Comme pour des mots outils. Exemple, aussitôt, bientôt, puis, etc. C'est clair? On va passer maintenant à l'application. Premier exercice. Pour résoudre les devinettes suivantes, trouve des mots se terminant par une lettre muette. Premièrement, je suis un terrain cultivé. Deuxièmement, je suis ce que boivent les bébés. Troisièmement, je suis formé par les élèves quand ils se mettent deux par deux. Quatrièmement, je suis le contraire de froid. Cinquièmement, je suis l'objet sur lequel on se couche. Sixièmement, je suis la vitesse la plus rapide du cheval. Prenez votre temps et réfléchissez bien avant de répondre. D'accord? Et lisez bien les devinettes. Maintenant, on passe à la correction. Première devinette. Je suis un terrain cultivé. Donc, le terrain cultivé, c'est un champ. Je suis ce que boivent les bébés. Ce que boivent les bébés, évidemment, c'est le lait. Je suis formé par les élèves quand ils se mettent deux par deux. C'est le rond. Je suis le contraire de froid. C'est chaud. Je suis l'objet sur lequel on se couche. La réponse, c'est le lit. Je suis la vitesse la plus rapide du cheval. C'est le galop. Maintenant, on va voir le deuxième exercice. Écris là-haut les lettres muettes finales de ces noms. Le respect, le foie, le héros, un artichaut, le confort, un salut, le bruit, l'estomac. On va passer à la correction. Le premier mot, c'est le respect. Il manque les lettres C et T. Le respect. Le foie, il manque le E. Le héros, il manque le S. Un artichaut, il manque le T. Le confort, il manque le T aussi. Un salut, il manque le T. Le bruit, il manque le T. L'estomac, il manque le C. Voilà, la séance est achevée. Au revoir, chers élèves.